Allô? Bon, dis, quand est-ce que tu me donnes la constitution des groupes? J'en ai vraiment besoin pour avancer. Oh, écoute, j'ai un mal de tête terrible avec tous ces problèmes logistiques. Je t'envoie le tout dès que possible. J'y compte bien, c'est vraiment urgent. J'en peux plus, il faut penser à tout, je dois tout faire toute seule, je m'en sortirai jamais. Et si je demandais à Perruche? Je sais qu'elle est organisée, elle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Toujours présente quand on a besoin d'un service logistique. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je dois faire le planning de tout ce que je dois régler comme problème logistique pour mon projet. Ok, j'ai ma checklist, je te la lis. Premier élément, tu dois préparer les ressources. L'élément de base est évidemment l'énoncé. L'énoncé avec les objectifs pédagogiques, aussi appelés les acquis d'apprentissage visés, un scénario stimulant, une liste de documents et d'autres ressources nécessaires ou utiles pour l'apprentissage et pour l'exécution du projet, une liste de personnes ressources avec leurs informations de contact. En cas de concours, il faut y ajouter le règlement. Il faut également penser aux outils de facilitation au travail de groupe et aux ressources IT pour le travail collaboratif, les outils tels que T-Board, Whiteboard, Padlet, et les outils pour garder les traces du travail tels que Sutori, Portfolio, etc. Enfin, je suppose que tu utilises un LMS, un Learning Management System, une plateforme d'apprentissage en ligne, donc tu peux mettre en place un wiki, une liste des questions fréquentes, des auto-évaluations, un portfolio et des espaces pour le travail de groupe. En deuxième lieu, tu dois clarifier le rôle des acteurs de terrain, mais aussi ceux de la coordination. Je te conseille de faire la liste de tous les acteurs du projet en spécifiant qui est qui dans le document, avec les moyens de communication et surtout décider comment tu vas les former. Identifier les experts dans les disciplines abordées et clarifier comment tu vas les informer de leur rôle, en tant qu'expert, en tant que client, etc. Identifier des membres pour le jury final. Au sein de l'équipe, tu dois identifier les tuteurs et des responsables pour des tâches particulières. Par exemple, un responsable de la plateforme de formation en ligne et d'autres outils IT tels que la gestion du forum, par exemple. Troisièmement, tu dois planifier l'agenda des étudiants et des différents acteurs. N'oublie pas des temps de coordination avec tes collègues du même semestre pour vous concerter sur les dates clés, par exemple les dates de remise des rapports et des présentations, la date du jury final, etc. Et des temps de coordination avec les tuteurs. Et je dois en prévoir combien pour la coordination avec les tuteurs? Tu dois penser à les voir au moins une heure par semaine. Dans certains cas, les tuteurs doivent faire des corrections de production. Cela doit être comptabilisé dans leur temps de travail. Il faut prévoir combien de tuteurs? Essaie de ne pas dépasser 6 groupes par tuteur. Quatrièmement, tu dois penser aux espaces. Des salles pour les séances de groupe avec le tuteur. Je te conseille de réserver des salles avec des tables mobiles pour faire travailler les étudiants en groupe. Et combien de groupes peut-on mettre par salle? Cela dépend du dispositif. Pour une réunion de suivi, tu peux bloquer une petite salle de réunion par groupe. Mais si tu prévois de faire du travail de groupe sous la supervision du tuteur, alors je te conseille de mettre en place plusieurs groupes par salle, entre 4 et 6 groupes pour un tuteur dans une salle, à condition qu'il y ait suffisamment d'espace pour que les groupes ne se gênent pas, ou en tout cas pas trop. Et je dois prévoir quoi comme équipement? Pour chaque groupe, une table et des chaises, et surtout un tableau pour avoir un espace de travail commun. Si tu en as les moyens, tu peux y ajouter un écran de travail pour chaque groupe, mais il faut favoriser l'usage du tableau. N'oublie pas de penser aux espaces spécifiques aux différentes phases de ton projet. Par exemple, un learning space pour le travail autonome, une salle de calcul, un laboratoire, une salle de prototypage, une salle de jury, etc. Cinquièmement, tu dois encore organiser la constitution des groupes en choisissant leur taille et les règles de constitution. Comment mélanger filles et garçons? Comment tenir compte de publics différents? Que faire avec d'éventuels redoublants? Justement, dans mon projet, j'ai une proportion de filles très faible. Que me conseilles-tu de faire? Personnellement, je te conseille de mettre toujours les filles par deux dans un groupe. Mais alors j'aurai des groupes sans filles? Oui, mais il est avéré que c'est préférable à une situation dans laquelle certains groupes ne comptent qu'une seule fille. Merci beaucoup pour ton aide. Si je synthétise, je dois m'occuper de l'énoncé et les ressources, clarifier les rôles des intervenants et prévoir comment les former, les emplois du temps des différents acteurs, les locaux et leur équipement, de toutes les ressources de type outils IT. Quand je vois tout ce que je dois faire pour la mise en place de mon projet, je sais maintenant que je dois m'y mettre suffisamment tôt.